On dit qu'on ne refuse pas des cadeaux. Quand on te donne un cadeau, il faut prendre. Par contre, il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. Une fois que tu les acceptes, là, toi-même, tu vois le changement dans ta vie. Et puis, ce n'est pas les bons changements, c'est les changements négatifs. Aujourd'hui, on parle de ces cadeaux empoisonnés. Ben, ils ont accepté des cadeaux et ça agit négativement dans leur vie. À tout à l'heure. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. On parle de cadeaux empoisonnés aujourd'hui dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Et c'est un sujet, je suis sûre, qui sera plein d'affairages et de critiques. Mmh. Nous, on aime les trucs comme ça. Mmh. Comment ça va, les filles? Oui, oui. Mais je ne sens pas trop de... Je ne sens pas avoir quelque chose de plus que ça. Comme l'ambulance, on y va? Oui. Voilà. Ça, c'est bon. Et puis surtout que nous sommes magnifiquement habillés. Regarde déjà comment elle est habillée. La Miss Colony. La Miss Colony. Elle était si jolie. Ma vie calo. Dis-nous, fais-nous quelque chose. Agapu vous balébdo. Agapu la cadeau. Adoka, adoke, adoka, adoke. Je disais tout à l'heure, Yasmine, qu'elle ressemble authentique, qui viennent spécialement de l'homme pour le mariage là. C'est ça, exactement. Donc, on va débuter cette émission. Moi, j'ai pas envie de me lever aujourd'hui. Regardez-moi ça. C'est la vie de qui ça? C'est la vie de Monsieur Touré. Touré, c'est quel genre de nom? C'est un nom de Kadi. Chican. Les verrues. Il faut préciser qu'aujourd'hui, Yasmine est pour quelque chose dans le choix de cette tenue-là. Voilà. C'est-à-dire que le styliste, c'est vrai qu'il a fait, il a envoyé la tenue, Patrick Edouard et tout, mais... Yasmine dit non, Kadi, c'est ça là qui te va. Il faut porter ça. Donc merci, Yasmine. Regarde, un moment, il a enlevé sur moi. Il dit, Kadi, il faut porter. Eh, ma chérie, on t'a pas demandé. Moi, c'est pas dit, c'est pas menti devant la direction. Non, mais elle a dit tout. Mais vous le faites petit. Vous vivez à nous ici. Donc, on doit tout vous expliquer comment ça se passe. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, c'est que Aurélie est venue avec la nourriture. Elle est venue à banane bouillie. C'est quand son sang, c'est fini. Donc, elle est arrivée, elle aurait dû envoyer quoi dire manger. Elle dit, mais pour commencer, pour ne pas qu'on la coco. Elle dit, je n'ai rien mangé, j'ai faim. Donc, elle dit, moi, on n'a rien dit. Donc, elle dit, Aurélie, tu me donnes un peu. Quand elle m'a donné un peu, il a mangé. J'ai vu que là, elle dit, mais la sauce est froide. Elle dit, il a mangé. Quand elle dit, donc, tu me sers un peu à côté. Elle veut servir. Quand elle dit, il y avait la cuisse. Elle dit, c'est moi, mais avant, il t'a dit, elle t'a donné. Quand elle t'a donné cuisse. On finit pas de coco. Dis, j'ai qui derrière là-bas. Donnez-moi aussi. Donc, on a la nourriture, on a mangé. Je suis là. Là, vous nous voyez, il y a la Dali Benoît. Je t'ai dit, voilà mon ventre, j'ai faim. Donc, si elle ne participe pas trop à l'émission, comprenez, on a amené tout ça à nourriture. Dans la vie, quand on te dit de manger chez toi avant de venir, là, c'est ça le. C'est la, maintenant, c'est depuis quand elle est partie en Belgique, elle est venue là, aujourd'hui, elle nous a fait cadeau. Elle nous a fait un joli cadeau. Moi, personnellement, j'ai eu un parfum, un 100 ml eau de parfum, s'il vous plaît. Elle m'a donné un eau de parfum, 100 ml, s'il vous plaît. C'est un Dolce & Gabbana. Arrêtez ça. Elle a un truc. C'est bon, on ne peut pas faire visiter. Chacune a eu quelque chose. Mais je ne veux pas que chacune sache ce que l'autre a eu. Moi, c'est qu'elle a su 100 ml. Moi, j'ai eu pour elle, c'est 50 ml. Elle a vu ça avant qu'elle est prête. Quand c'est la petite, c'est pour ça qu'elle est moi, ça lui fait mal. Terminé, l'émission commence. En tout cas, l'émission commence, c'est fini. Mais la file, elle est grave. Alors, on parle de cadeaux empoisonnés aujourd'hui. On va applaudir nos invités. Ah, c'est ça. Donc, je pense que peut-être qu'on va faire un jour une émission juste avec ce qui se passe à NCI ici. Mais si on fait ça là, non, ça sera plus d'autres. Même que émission normale. Non, pas bien. Ici là, c'est West End. C'est ce qui s'est passé ici. C'est plus que West End, c'est Armageddon, c'est au ciel là-bas. Parce que des fois, les gens n'aiment pas utiliser ton lettre qui est ici, c'est pour les vieilles, puis là, ils vont utiliser. Non, souvent, quand tu es derrière eux là, il faut avoir le bon. On applaudit, non?
deux invités qui sont là sur ce plateau. Youssouf Diabagaté et Zainab Touré. Comment ça va? Oui, super. En fait, on a fait tout ça comme c'est la première fois que vous venez ici. Oui, non, il n'y a pas de problème. C'est pour vous montrer le pool hein, de, la, de ce plateau-là. D'accord, hein, il n'y a pas de problème. Parce qu'on voulait se critiquer. Pourtant, Diabagaté. 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 Diabagaté, il aime ça. C'est vrai. OK, merci. Alors, les filles, je ne sais pas si vous, avant qu'on passe aux invités, est-ce que vous, vous avez peut-être... Vous avez déjà eu des cadeaux empoisonnés? De mauvais cadeaux, quoi. En tout cas, moi, par la grâce de Dieu, je sais que j'en ai eu, mais pour dire que ça a influencé ma vie, là, non. Mais je sais qu'il y a, il y a des histoires rocambolesques, dignes des films. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Ou des personnes, malheureusement, on peut même, on va dire, jusqu'à perdre la vie. Oui, à cause de certains cadeaux empoisonnés, parce que l'homme est mauvais. Ouais. Je ne dirais pas l'homme d'une certaine couleur, toutes les couleurs même. Ouais. De peau. L'homme est mauvais. Ouais. Donc, quand tu reçois là, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ce genre de choses? On va en parler. On va en parler. Yasmine? Oui, moi, quand j'étais sur le point de me marier avec le père de mon fils, bon, je ne vais pas dire cousine, c'est un peu trop. En fait, il y a quelqu'un avec qui m'a envoyé chez une couturière pour faire la boubou. Parce que j'étais un peu enceinte, tu comprends, non? Déjà, les boubous, elles m'ont envoyé pour aller faire là. C'est bombardé. Moi, il ne sait pas. Bombardé de quoi? Aïe, ça veut dire que quand moi, il n'y a pas de boubou là-même, là, discours qui entre les messieurs, moi, tu peux pas. Il n'y a pas quelque chose. Hein. C'est pas vrai. En tant que dans mon dougoutiki d'avant, en tant que vraie checkeuse, qui a le brassard de checking Tchernoville. Tchernoville. Il arrive dans le moment, dès qu'elle m'assoit sur la table, la femme me dit, les habits que, l'habit que tu portes là, c'est qui? Donc, il a dit non, qu'est-ce que c'est? Elle dit non. Tu as jusqu'à 4 habits comme ça, tu as cousu. Elle dit, la personne qui a cousu est comme ci, comme ça, elle dit oui. Hein? Elle dit, ils ont bombardé les habits pour te donner pour que ton mariage se casse, pour ne pas que le mariage ait lieu. Ouais. C'est ainsi qu'elle m'a dit de ne plus partir là-bas. Donc, quand elle a pris les habits, elle a prié dessus. On lui a fait pipi, d'autres disent, il ne faut pas faire. En tout cas, moi, j'ai brûlé, j'ai prié. Et puis, Dieu a fait grâce quand le mariage est arrivé. Ça pour dire que, cadeau là, on ne sait pas où ça peut quitter pour te mettre en. Pourtant, c'est moi-même, c'est mon tissu. Hein. Moi, je m'a dit, paye mon tissu pour venir. Mais le fait qu'elle m'a accompagné, puis ils lui ont donné, ils ont fini de coudre, c'est dans sa main. Même dans sa main encore. Les jours, ça a fait chez elle avant que moi, hier, recevoir. Paye. Moi, j'étais là. C'est ce qui m'est arrivé. Terrible. Dis-nous, Didier. Moi, vraiment, par la grâce de Dieu et puis par la vigilance de maman aussi. Ouais. Parce que ça, franchement, pour ça seulement, la confiance. On sent qu'elle ne joue pas. C'est vrai que quand tu reçois un cadeau, peu importe d'où ça vient, hein, faut vraiment faire attention, il faut pouvoir prier dessus avant quoi que ce soit. Parce que c'est vrai qu'on part du principe que tout le monde est de bonne foi, mais vraiment, il y a tellement de choses qui se passent que, surtout avec tout ce qui est vêtements, des trucs qui touchent le corps, les choses comme ça, il faut vraiment faire attention. Même bijoux. On dit bijoux, bijoux en or, c'est pour te localiser dans le spirituel. Bon, restez là, pas fou. Ça, il faut qu'on en parle. Moi, je te crois, hein, je veux bien te croire. Bijoux en or. Oh, Kati, tu es belle, tu me plais, tu vois un CEO, tu présentes, mais tiens, un bijou. Voilà. Toi aussi, tu es là, ça, c'est de chez Nyan. Dès que tu portes de chez Nyan, Nyan aussi, la nuit, Nyan, Nyan. C'est bizarre, tout ça. En tout cas, c'est bizarre, hein, c'est bizarre, tout ça. Mais de toute façon, on va en parler directement avec nos invités. Vous avez été victime de cela. Vous avez eu des cadeaux empoisonnés. Bon, moi, personnellement, j'ai pas... Dieu m'a protégé, j'ai pas eu de cadeaux empoisonnés lors de mon mariage. Mais il y a beaucoup d'exemples d'amis qui ont déjà vécu cela. C'est ça. Voilà. Okay. Donc, on pourra quand même en parler. Et toi, ma chérie, je sais que tu as vécu... Oui, moi, j'ai vécu lors de mon anniversaire. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de mon anniversaire, parce que j'étais à Yamoussoukro. Et j'ai organisé une fête entre amis. Donc, ce jour-là, j'ai reçu assez de cadeaux. Donc, après l'anniversaire, pendant les déballages, j'ai aperçu un bracelet en cuir. Ce bracelet était vraiment joli, voilà. Maintenant, sur le bracelet, il y avait un kauri. J'ai vraiment aimé le bracelet, donc j'ai porté le bracelet. Et des jours après, j'ai constaté que mon bras gauche s'enflait. Donc j'ai essayé d'acheter des produits de massage, j'ai essayé de masser. Je me suis dit que peut-être je me suis mal endormie, raison pour laquelle le bras s'est enflé. Mais le mal, j'avais mal et le mal persistait. Donc je me suis rendue à l'hôpital. Le médecin m'a prescrit des médicaments. Bon, ça n'allait pas. Plus les jours avançaient, plus ça s'aggravait. Donc, je me suis rendue à l'église. Je suis allée voir un homme de Dieu. Et lors de la prière, l'homme de Dieu m'a dit non, que le bracelet que je porte là a été envoûté. Donc, à travers la prière et par la grâce de Dieu, j'ai reçu la guérison. Mais c'est comment... À quel moment tu as retiré le bracelet de ton poignet? Quand je me suis rendue
à l'église et que l'homme de Dieu m'a donné la révélation que le bracelet qui était sur mon bras, mon poignet, a été envoûté. Donc, il a demandé à ce que je retire le bracelet. Est-ce que tu sais qui t'avait offert ce bracelet? Non, je ne sais pas, puisque j'ai reçu plusieurs cadeaux. C'est ça. Je ne peux pas savoir. Je ne pouvais pas savoir. J'ai reçu plusieurs cadeaux. Donc, tu ne sais pas combien de personnes ont fait. Mais pour pouvoir, pour éviter cela, c'est-à-dire que lors des événements, là, il faut filmer toute la cérémonie. Et si la cérémonie est bien filmée, en visionnant les images, on peut détecter. Parce qu'à un moment donné, effectivement, voilà. Il y a toujours un moment où on dit, bon, la remise des cadeaux, venez mais faire le rang. Les gens ne vont jamais venir faire ça pendant que les gens font le rang où on sait qui dépose quoi. Ben voilà, c'est ça. Ils vont glisser ça à un moment où Dinata a laissé ça. Qui a laissé ça? Souvent, nos moments, là, quand elles font les cérémonies, les mariages, y a, tous les détails sont filmés. Elles demandent aux caméramans de filmer tous les détails, c'est important. Après, quand on visionne avec un peu d'enquête, on peut savoir d'où le mal est parti. Bon, aujourd'hui, ça passe à la caméra aussi. Bah, oui, donc, bon. On veut toujours être sur Snap, on veut toujours être à la page. Donc, on filme tout ce qu'on reçoit. C'est ça. Mais en vérité, c'est vrai que les cadeaux sont beaucoup. Il y a même des gens qui reçoivent des boîtes fermées. Ça peut être des boîtes à bijoux. Et lorsque la personne ouvre, peut-être qu'il y a un petit truc comme une poudre. Et voilà, ça y est. Vous savez, les films en Angola, les films nigériens, on minimise, mais souvent, il y a beaucoup de vérité dedans. C'est la réalité. Il y a des choses réelles qu'on vit. Où tu vois un coup, tu te dis, fiou! Et puis la personne fait un recul, quoi. Là. Ça devient John dans son corps. C'est le truc qui est là. Hein. Alors, Youssouf, moi, j'aimerais avoir, toi, ton expérience que tu avais avec certains... Oui, deux expériences. Ouais. La première expérience, le couple, avant le mariage, ils sont allés voir un homme de Dieu pour prier, pour qu'il puisse bénir le mariage et tout ça. Donc, quand ils sont partis, vous savez, il y a des personnes qui sont vraiment ancrées dans le spirituel. Donc, l'homme de Dieu, il a prié. Quand il a prié, il a vu la révélation. Il leur a dit, ce soir, quand vous allez rentrer là, il faut continuer la prière, vous allez voir quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de conspirer quelque chose contre vous. Et puis cette personne, elle n'est pas loin, elle est proche. C'est toujours comme ça. Elle est très proche de la dame, mais restez en prière. Donc ils ont prié toute la nuit. Vers 3 heures du matin, la meilleure amie, la padée même, de la mariée, est venue frapper à la porte. À 3 heures du matin. À 3 heures. 3 heures du matin, parce qu'ils n'ont pas dormi, ils sont restés en prière. Elle est venue, on ouvre la porte. Elle dit, mais Asso, il y a quoi? Elle dit, non, il faut que je me confesse. Aïe? Oui. J'ai prévu un cadeau que je vais te donner demain. Mais ce cadeau-là, quand tu allais le prendre, là, tu n'allais plus enfanter. Elle n'allait plus enfanter? Oui, elle n'allait plus enfanter. Elle n'allait plus avoir de progéniture dans le mariage. Parce qu'elle était jalouse de la camarade. Donc, il y avait le feu, quand ils étaient en train de prier, c'est-à-dire que le feu était en train de la consumer dans son lit. Donc, elle ne pouvait pas résister à cela. Donc, elle était obligée de venir se confesser. Wow. Et c'était cette dame, elle était parmi les dames de compagnie. Non, là, c'est toujours la prochaine. Donc, c'est pour dire que c'est une réalité et ces histoires. Le deuxième exemple, rapidement, c'est deux amies. Elles étaient tellement proches et l'autre a rasé. Le copain de l'autre. Bon, elle a fait semblant de digérer, mais en la réalité, elle n'avait pas digéré. Mais elles sont restées camarades dans elles ça. Elles sont restées camarades dans ça. Elle a dit non, c'est pas grave. C'est que si c'est arrivé, c'est que Dieu n'a pas voulu que ce soit moi qui sois son mari, tout ça. Donc peut-être c'était pour toi, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, c'est pas à cause d'un homme que notre amitié va. C'est ça, ouais. Donc, elles sont restées copines. Lango, elle avait ça. Mais bien sûr. Elle avait ça dans son cœur. Donc, elle préparait son coup. Donc, ils sont restés ensemble jusqu'à la relation et arrivés au mariage. Au mariage. Donc, elle a participé à l'organisation, tout ça. Donc, elle a prévu un cadeau. C'était de la boisson. C'est de la boisson. C'était mélangé dans les cadeaux, tout. Quand ils ont fini, tout. Ils ont déballé les cadeaux et puis bon. Le jeu qu'ils ont bu, là. Ouais. Ils ont bu la boisson, quand même. Ils ont bu la boisson. C'est ça qu'Arazé n'est pas intelligente ou quoi? Pourquoi elle peut rester dans ça? Mais c'est qu'ils ont vécu, là. Vraiment. N'eût été vraiment des hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Oui, mais ils ont commencé à faire de la diarrhée. En fait, c'était un poison. Ah. C'était un poison. Elle voulait vraiment les éliminer. Voilà, avec beaucoup de chance, ils ne sont pas morts. Mais
avec les enquêtes, tout cela, puisque la cérémonie a été tellement bien filmée, enquête sur enquête, ils ont su que c'était... Wow. C'est pour dire que c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la dame? Comment? La dame qui l'a empoisonnée, qu'est-ce qu'elle est devenue? On l'a emprisonnée, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On fait ça à l'amiable, mon cher. Après, comme elle le dit... L'Afrique ici, là. À l'amiable. Mais tu m'as rasé. Toi aussi, tu vas faire camaraderie, moi, là, c'est pourquoi maintenant? Même si mon mec était blague, là, toi, tu sais qu'on est ennemis. Tu vas rester normalement. Mais moi, si j'étais rasé, c'est en prison, tu vas partir, si tu as toi, pourquoi? Tu dis quoi? Si moi, j'étais rasé, pourquoi il n'y a pas l'air, toi, encore? Jusqu'à tu as venu participer à mon mariage, ton gars. Je parle de participer au mariage et puis on dit on a attrapé la dame. Mais pourquoi celle-là qui a rasé, mais accepter que celle qu'elle a rasée soit dans son truc? Ça, c'est pas bien. Aïe! Je suis d'accord avec toi. Dis-moi, Yasmine, tu voulais poser. J'ai dit que dans les mariages aujourd'hui musulmans, coutumiers, si vous qui connaissez un peu, vous pouvez donner ce qu'on appelle le jour où on lave la tête de la femme. C'est ça. Vous connaissez ça, non? Oui, bien mais sûr. C'est un lieu très dangereux. Oui, oui. Parce que si les gens qui lavent ta tête là ne t'aiment pas là, il y a une manière de laver ta tête pour gâter ton mariage, ou bien pour te rendre folle, ou bien pour mettre l'instabilité sur toi, ou bien pour mettre la stérilité sur toi, ou bien pour mettre les mauvaises choses sur toi. C'est pourquoi lorsqu'on doit laver ta tête, souvent tes tantes, toi, la mariée, tes tantes disent que forcées, elles doivent être celles qui doivent suivre le seau sur lequel on lave. C'est pourquoi on dit c'est jeter dans le mariage où ta famille n'est pas trop au courant. Il faut faire très attention parce que tu ne sais pas ce que les gens peuvent te faire et tout. Moi, je ne savais pas ça. Je l'ai appris à mes dépens. On dit, on va aller laver ta tête et puis tu vas accepter. Il ne faut pas accepter. C'est-à-dire, en général, si nous, on n'est pas là, on te sait qu'à quel. Oui, mais pourquoi? Donc, vous ne voulez pas qu'elle me marie? On dit, ce n'est pas arrivé qu'on ne veut pas que tu te maries. Est-ce que toi, tu connais? Tu es trop jeune. Tu sais, souvent, on pense qu'on connaît tout. Ouais. On ne connaît rien. Même dans ça, là aussi, là, les gens font du mal. Non, mais je voulais juste dire rajouter quelque chose pour corroborer ce qu'elle a dit. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde qui doit laver la mariée. C'est pas tout le monde. C'est-à-dire que pour laver la mariée, là, les parents, la maman de la mariée, un rôle capital à jouer. Justement. C'est elle qui doit choisir la personne qui doit laver la tête de sa fille. Ce sont des moments très importants. Très importants. La stabilité même du mariage. On dépend. Alors, on va marquer une pause publicitaire et on va continuer cette émission tout juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle à des cadeaux empoisonnés avec Youssouf Diabagaté et Zeynab Touré. Alors Zeynab, moi je reviens à toi, c'était la première fois que ça t'arrivait. Tu ne pouvais pas imaginer que ça pouvait t'arriver. Oui, oui. Mais tu n'as pas pensé peut-être à prier sur les cadeaux d'abord, généralement non, on ne dit pas ça. Non. Mais depuis maintenant que tu as eu cette expérience-là, qu'est-ce que tu fais? Je me méfie. Ouais. Je me méfie. Tu fais plus incroyable l'anniversaire? Non. Pourquoi? Tu fais plus l'anniversaire? Mais c'est quand on te donne des cadeaux, qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, actuellement, si je reçois quelque chose, peu importe la chose, je prie d'abord avant d'accepter la chose. C'est vrai que généralement, on n'a pas le réflexe de faire ça. Quand on reçoit un cadeau, on est tout enthousiasmé. Mmh. Là, on ouvre, on déballe, on met en même temps le port directement avant quoi que ce soit. Quoi. Parce que... Enfin, ça n'a... Tu penses tellement pas qu'on va que quelqu'un puisse te faire ça. On fait une mission, ça. Pourquoi tu penses même? Tu penses tellement pas que quelqu'un puisse te faire ça que, par exemple, un anniversaire ou un mariage, tu te dis que toutes les personnes qui sont là t'aiment, elles viennent partager ce moment de bonheur là avec toi. Donc, à quel moment tu vas penser que tous les cadeaux et tout ça... Et moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui disait que pour les cadeaux de mariage, il ne faut jamais ramener ça dans la maison conjugale le jour du mariage. Il faut toujours laisser ça chez la maman ou bien chez quelqu'un. Et puis, ils vont déballer là-bas au fur et à mesure. Parce que des fois, tu n'as même pas besoin de porter. Dès que ça rentre chez toi, ça prend effet, en fait. Même quand tu touches même. Oui, mais... oui c'est ça, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'après, il y a des personnes qui trouvent que les personnes publiques se donnent un genre et tout. Mais pourtant, ça, c'est très important. Moi, je me souviens que même ici, à NC, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux. Mais quand les personnes en voient et qu'on m'appelle pour dire qu'il y a tel qui a envoyé cadeau, je dis, je ne connais pas la personne, je ne sais pas, je ne reçois pas, je ne prends pas, je n'ouvre pas parce que je ne sais pas. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime, en fait. Effectivement. Et là, une fois, l'assistante, là, elle a dit qu'elle avait, il y a une dame qui a envoyé plein de cadeaux avec des habits, des chaussures, des trucs comme ça pour moi. Mais quand elle a ouvert, elle dit l'odeur qu'il a accueilli. Je vous assure, si, ici. Elle dit, il y a une forte odeur qui est venue sur elle comme ça et tout, la pauvre. Après, bon, deux jours après, elle est restée à la maison quelques temps et c'est tout. Donc moi, je dis, je ne prends pas.
C'est pas comme si tu te donnes un genre, mais je suis désolée, mais tu peux pas, en fait. J'étais chez ma copine, là, celle qui a donné les coupons là, que j'ai distribués. Et elle m'expliquait qu'elle a une petite, qu'elle mettait bien. Bon, elle était bien avec la petite, bref. Et lorsqu'elle m'expliquait qu'il y a eu des... La fille ne lui parlait plus. Ce qui m'a le plus retenu dans son discours, c'est que le jour de son mariage, elle dit qu'elle a commandé plusieurs paires de chaussures parce qu'elle avait une phobie. Elle s'est dit, bon, au cas où si sa chaussure se casse ou bien ça se coupe, au moins, elle peut remplacer. Et elle a tellement fait confiance à la fille. Quand le mariage est terminé, là, c'est-à-dire toute chaussure qu'elle a portée, oh, ce qu'elle n'a pas porté, oh, ce qu'elle a mis sur elle, oh, elle a tout ramassé, elle a donné à la petite. Là. Donc, pendant qu'elle m'expliquait que la petite fille parlait avec elle, c'est venu dans ma tête, je lui ai dit, mais j'ai dit, oh, ce que tu as payé pour la fille, là, devant Dieu, tu ne vas pas reprendre. Parce que c'est une bénédiction pour toi et tes enfants. Mais tes habits que tu as déjà portés, jusqu'à même habits de mariage, et chaussures de mariage que tu as donné là, bon, ça, c'est moi, il faut que tu récupères. Je ne sais pas, mais dans mon esprit, je me dis qu'il faut que tu récupères ça. Parce qu'il y a ton âme dedans, il y a ta sueur dedans. Tu as donné la personne à partir avec, c'est pourquoi. Même le choix de ces demoiselles d'honneur, de sa dame de compagnie, il faut faire vraiment attention à qui tu permets d'être à côté de toi ce jour-là. Parce que c'est quand même un jour important. Et maintenant qu'on en parle, je commence à me dire que, ben, dis donc. Même au-delà des cadeaux de mariage, il faut même voir même les cadeaux, même entre copines. Oui, les cadeaux en général. Souvent, on est là quand on était jeune, on aimait souvent ces changer des habits, comme tu le disais. Ah ouais, ta chaussure, ça, là, cette chaussure-là me plaît. Attends, ça va bien, mon habit, on va sortir aller en boîte avec. Mais la chaussure-là, tu sais pas, la fille, quel esprit elle a, c'est quelque chose qu'elle porte. C'est un esprit qui est dans la chaussure. Tu vas porter, tu vas aller en boîte, tu vas revenir le lendemain, tu es malade, mais tu as des problèmes dans ta vie. Mais en réalité, c'est ça. Et effectivement, quand tu y penses maintenant, tu peux souvent même te dire, ah, mais c'est vrai qu'on était un peu jeunes, on était très naïfs. Mais les habits, les perruques, Dieu qui sauvait, on a même parlé des perruques. Les perruques, sur ta tête. Ouais. Toi, tu vas les prêter ça pour aller quelqu'un d'autre va mettre ça sur sa tête. Et puis tu vas récupérer encore pour mettre sur ta tête. Non, comment tu sais pas, tu es innocent. Tu sais après, maintenant, quand tu te rends compte que. Toi, Youssouf, toi qui as l'habitude, enfin, pas qui as l'habitude, tu as eu des gens autour de toi qui ont vécu ça, est-ce que donc instinctivement, toi, tu te dis, je ne prends pas n'importe quoi, ou bien je prie tout de suite sur tout ce que je reçois, ou qu'est-ce que tu fais? Oui, en fait, la meilleure attitude à adopter, c'est de prier. À tout moment. Oui, de prier à tout moment. Même si quelqu'un vient de France tout de suite, il envoie un joli petit parfum. Petit... Oui, non, il faut prier. Les filles, ça vous avez prié sur ce que vous avez donné. Je n'ai pas encore prié. J'ai prié tout à l'heure. Même là. Il a mis ça sur moi comme ça. Même les gens, tu as fait plusieurs courriers. Béni le cadeau de Jésus. Quand tu dis, on s'est regardé, c'est en douce. Les gens, tu nous as fait bijou à courir. Dès que tu as donné, c'est moi, Aurélie, apporte en même temps. Dis-moi, femme bonne, non, femme du lac. Parce qu'elle sait que ça vient de moi. Mais je vais dire, le réflexe pas, maintenant, ça, le réflexe. Même ton papa, t'en faut prier ta mère. Nous, les métis bluffouais, là. Chaque fois qu'il était dans ça, on écoute Youssouf. Oui, la bonne attitude, il faut prier. Surtout, vous savez, le mariage, c'est tellement important. Au-delà du mariage, même. Oui, non, je veux dire, même un événement, mais n'importe quel événement, anniversaire, comme ce qu'elle a expliqué, il faut avoir un petit comité pour gérer les histoires des cadeaux. Ouais. C'est important. Parce que, comme on l'a dit, on t'offre un cadeau automatiquement, tu prends et puis tu vas chez toi à la maison, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il faut laisser les cadeaux là. Respirer. Quelque part. Parce que souvent aussi, par exemple, que ce soit pour mariage ou anniversaire, les gens donnent la liste des cadeaux qu'ils veulent. Oui, donc si tu allais prendre, tu as pris ma liste et que tu allais prendre exactement le cadeau que je veux, je suppose que c'est bon. Tu n'as pas passé ça pour m'envoyer. C'est là la même que la personne va te. J'ai d'accord de donner. Tu as pu avoir faim dans ton foyer. Monsieur Diabagaté, vous, j'ai l'impression que vous y connaissez très bien dans l'organisation de mariage. Donc est-ce que vous pouvez donner quelques astuces pour des couples, justement, pour que le mariage se déroule bien? Parce que moi, par exemple, la plupart de mes amis m'ont fait savoir que, au-delà du sourire qu'on voit quand deux mariés sont devant l'hôtel là, les gens ne savent pas que derrière là, il y a eu énormément de palabres et de guerres et de combats spirituels. C'est normal, le diable n'arrive pas que les gens se battent. Oui, c'est quelque chose que même on dit le diable même combat en premier. Ça, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les conseils que vous pouvez donner? Bien sûr, il y a la prière, mais les détails auxquels il faut qu'on fasse attention. Oui, oui, vous savez, le mariage là, c'est tellement, c'est tout un combat, hein. C'est-à-dire que vous pouvez décider pour vous marier. Vous avez décidé de vous marier. Mais ceux qui conspirent derrière pour ne pas que ce mariage-là réussisse, pour ne même pas que le mariage ait lieu, ils sont plus nombreux que ceux qui sont d'accord pour que le mariage réussisse. Ça, c'est normal. C'est parce que l'homme, en la réalité, on n'est pas bon. L'homme, là, ça dépend, le noir. Non, l'homme, même dans sa globalité, on est méchant, on est hypocrite.
Et ce n'est pas tous ceux qui sourient et voient, vous êtes belle, vous êtes ici, qui vous aiment à la réalité. Ouais. Donc, il faut être vraiment regardant sur beaucoup de choses. C'est vrai, souvent, on dit on se donne un genre, mais quand même, il faut faire très attention. Il y a des personnes qui limitent même le nombre même de leurs invités à leur mariage. C'est ça. On dit qu'ils se donnent un genre, mais souvent, ils ont raison. Ils ont raison. Moi, je pense qu'il faut maîtriser beaucoup de choses. Pour les cadeaux, par exemple, il faut avoir un petit comité pour pouvoir, pour réceptionner les cadeaux. Qui signe ton nom. Qui signe ton nom et tout. On sait qui a donné quoi. Et puis vraiment filmer tous les détails du mariage. Une fois que c'est fini, on ne prend pas les... Comme on le dit, il y a des gens qui se marient, mais ça coûte cadeau. Dès qu'on donne cadeau, la même tanette. Il ramasse pas. Là, là. Donc, vous laissez les cadeaux. Un homme de Dieu va prier dessus avant même que vous récupérez. C'est important. Mais vous-même, vous priez. Bon, comme on n'est pas tous... On n'a pas force spirituellement. On met une petite caméra dans un coin, on dit c'est ici, on réceptionne les cadeaux. Là, tu viens donner, tu dis ton nom, tu dis mon paquet est bleu. Elle dit Soro, envoyé paquet bleu. Ouais, c'est ça. On écrit le nom, ton nom, même si le cadeau. Alors, voilà, quand c'est comme ça, là, quand ça arrive à la maison, on sait qui a envoyé quoi. C'est vrai. Comme je le disais, on n'est pas seulement dans le mariage. On est vraiment dans tout, dans sa globalité. Par exemple, on peut avoir une soutenance de thèse. Elle, c'était son anniversaire. Elle n'a pas eu la... Tu ne peux pas avoir la présence d'esprit de filmer tout, en fait. Si, par exemple, tu dois soutenir et que les gens viennent te remettre des trucs, même dans la fleur qu'ils vont te donner pour sentir. Oui, on peut... Après, la fête des mères, tu reçois des choses, tu vois, on en reçoit tout le temps. Oui, tu ne peux pas filmer, en fait. Oui, c'est vrai. Tu sais qui t'a envoyé, en fait. Le problème, c'est de savoir d'où ça vient. C'est ça. Ouais, je comprends. Si tu sais d'où ça vient, s'il y a quelque chose, tu sais... Là, tu viens me voir, aller faire toi l'envoyer. C'est ça, je suis d'accord. Mais si tu ne sais pas d'où ça vient, c'est là où c'est grave. Comme on l'a dit, là, on a beau être vigilant, ça peut arriver, comme vous le dites, mais c'est que soi-même, il faut beaucoup prier. Voilà, beaucoup moi, je pense que c'est ça, la base. Il faut être fort spirituellement, toi-même. Et du coup, je vais me tourner vers Zeynab Touré. Est-ce que toi, ça t'a changé aujourd'hui? Est-ce que toi, tu deviens... Ça m'a beaucoup changé. OK. Ça m'a beaucoup changé. Qu'est-ce que ça a fait dans ta vie maintenant? Ça m'a beaucoup... Ça fait que je suis un peu méfiante. Je suis méfiante, au fait. Ouais. Je me méfie de tout. Ouais, ça. T'as jamais su qui t'avait offert ça? Jamais, jusqu'à présent. Mais dans la prière, en général, quand quelqu'un te donne un cadeau empoisonné et que tu pries sur ce cadeau-là, quand tu es dans la prière, en général, il arrive quelque chose à quelqu'un dans ton entourage. Et en général, tu peux savoir. Avoir une idée à peu près. Est-ce que toi, quand tu as reçu ce cadeau-là, dans la prière, dans ton entourage, il y aurait eu quelqu'un qui serait tombé malade ou qui aurait eu des problèmes? Rien du tout? Non. Peut-être que si j'étais tombée, peut-être gravement malade, avec les prières, peut-être que si on faisait peut-être un retour à l'envoyeur. Peut-être qu'on pouvait... Voilà, on n'a pas fait de retour à l'envoyeur. D'accord. C'est juste délivrance de... Il a juste prié. Il m'a donné la révélation. Il a juste prié par la grâce de Dieu. Mais ce que je comprends pas, c'est que tu es partie à l'hôpital. Ils t'ont donné quelque chose contre le mal. Mais ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Le mal persistait toujours. Je voulais donner un exemple par rapport à ce qu'elle a dit. Une très, très proche personne, et lors de son mariage, elle a perdu des habits et une chaussure. Pendant l'organisation du mariage, elle a perdu une tenue et sa paire de chaussures. Une paire de chaussures. Donc, un mois après le mariage, elle est là et puis son pied a commencé à s'enfler. Son pied a commencé à s'enfler à tel point qu'elle ne pouvait même plus marcher. Bon, elle a dû vraiment aller voir un homme de Dieu qui a prié. Quand il a prié, il lui a donné une potion. Parce qu'elle est elle-même, elle est dans la santé. Donc, quand elle est partie, les médecins, même ses collègues, lui ont dit, mais ça, là, ton affaire, là, ça, c'est pas... Parce qu'en moins de 3 jours, le pied, elle ne pouvait plus marcher. Oh là là. Donc, lui a dit, non, ça, là, c'est un truc... Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Donc, il faut voir un peu ce côté-là également. Donc, Dieu merci, elle a trouvé quelqu'un. Et la personne a prié, lui a donné un médicament. Et quand elle a mis dessus, elle a commencé à être soulagée au bout d'une semaine. Le pied est devenu normal. Mais elle a fait un songe où elle a vu une dame qui avait sa chaussure en main. Et la dame lui a fait du genre tchourou, comme ça, dans le rêve. Mais elle n'a pas reconnu le visage de la personne. Moi, c'est que c'est une femme. Voilà. Donc, c'est pour dire que dans le mariage, il y a beaucoup de choses... Il faut être beaucoup. Mais si les gens peuvent t'empoisonner, en fait, juste autour d'une table, franchement, c'est pas cadeau, ils vont te louper, en fait. Franchement, cadeau, il a le temps de préparer, il a le temps de réfléchir à ce qu'il va faire et tout. Pourquoi moi, j'ai un truc que je ne fais jamais. Vous allez remarquer,
les gens viennent et bisap, jus de nyamaku, jus de pépépin, je ne bois pas. Mm-hmm, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai venu me donner. Bien tu sûr. As vu quoi sur moi, c'est moi qui avais goûté ton bien jus. Sûr, ouais. Ou bien souvent d'autres t'écrivent, ah, la même, nous on fait galette. Hein. On vient essayer de vous livrer galette, toi et puis tes collègues. Je ne suis pas responsable de ce qui va arriver. Non, je refuse. C'est ça. Alors justement, je me dis que quand quelqu'un peut-être a fait un cadeau pour toi et qu'il a empoisonné d'une façon ou d'une autre, quand une autre personne réceptionne ou une autre personne mange, la personne n'a rien en fait. Oui, c'est puisque ça? Ça dépend. Ça dépend. Hein, souvent, ça peut toucher la personne. Si c'est un poison, un vrai poison d'alimentaire, oui. D'alimentaire, forcément, ça va. Ça va mais si c'est quelque chose de mystique. Ou si c'est quelque chose de mystique. C'est fait pour la personne voilà. qui est visée. Okay. Donc si la personne qui réceptionne, je pense que ça ne va rien lui faire généralement. Ça, souvent, on dit quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, mais quand quelqu'un te demande l'argent, donne à quelqu'un d'autre avant de lui donner. N'enlève pas directement de ton porte-monnaie pour donner à quelqu'un qui demande. Et souvent, il y a des gens, ils te disent, quand tu es dehors, que quelqu'un vient te voir, ah non, la vieille, mais moi je veux vendre Lotus, moi je veux faire, s'il faut m'aider et tout ça, va acheter Lotus pour lui donner. Ne lui donne pas ton argent. En fait, il y a tellement de petites choses comme ça que naïvement, on se dit, bon, on est en train d'aider les gens, alors que tout le monde n'est pas... Surtout en Afrique. Oui. Mais tu payes chaussures. Quelqu'un t'offre chaussures, une belle paire. Nous, ce qui m'ont toujours porté les trucs, on t'offre une paire de chaussures pour rien comme ça. Tu es là, tu es content. Tu pensais, toi, tu as trop mis ta manière trop intéressante. Tu enlèves dans le bois, c'est dans ton pied, tu assises à la tête, tu dis, hey, tu connais la suite. C'est pas forcément que ton pied va enfler. Peut-être que s'il y avait un bon projet pour toi qui arrivait, on freine, on dit ces pieds-là ne vont jamais arriver dans le projet-là. Ou bien là où elle va rentrer, là, ça ne va jamais marcher. Souvent, même, on peut être là, mais quelqu'un peut verser poudre. Je dis un truc bête, comme dans l'infection, on ne sait pas, ou bien même dans un coin de maquillage. Toi, tu viens t'asseoir là, toute ta destinée, pour dire qu'elle n'a qu'à sentir. Il ne faut pas qu'elle brille, il faut que la personne sente, il ne faut pas que la personne réussisse. Non, spirituellement, tous les matins, on a s'armer voilà, le truc, avant c'est de sortir. Il faut être prêt spirituellement. En réalité, il faut s'armer. Beaucoup. C'est dommage. Moi, je ne dirais même pas que c'est dommage, forcément, non, c'est parce qu'en réalité, on doit le faire. C'est parce qu'il y a tellement de distractions autour qu'aujourd'hui, voilà, les gens oublient l'essentiel. Mais sinon, il faut être vraiment prêt spirituellement parce que toi, tu ne vois pas ton étoile, mais les autres voient ton étoile. Exactement, c'est toujours comme ça. Eux, ils sont là, ils sont prêts. Et eux, c'est leur travail, c'est leur passe-temps, c'est leur hobby. C'est-à-dire que la nuit, ils prennent le balai, ils se promènent. Pour voir l'étoile de tout le monde. Donc, il sait que voilà, telle maison. Donc, c'est à toi de t'apprêter spirituellement. Zeynab, et toi, côté famille, est-ce que ta famille, comment est-ce qu'ils t'ont aidé, ils t'ont soutenu, ils t'ont fait des reproches, ils t'ont dit, mais pourquoi tu acceptes tout et n'importe quoi? Non. Juste que je me suis. Parce que moi, mes parents sont à Abidjan. Moi, j'étais à Yamoussoukro dans le temps. Donc, c'est maintenant que je suis venue m'installer à Abidjan. OK, d'accord. Voilà. Donc, on t'a pas fait. Non. Non. Mais c'est quoi les types de prières que tu as dû faire? Quels sont les types de prières? C'est l'homme de Dieu. C'est lui qui a tout fait. Allée, oui. Les psaumes, les incantations. Je suis allée à truc. À l'église, dans les je suis allée à la réception d'abord. Lui et moi avons échangé. Nous avons échangé. Il a donné à ce que j'achète une bouteille d'huile d'olive. Donc, il a consacré la bouteille d'huile d'olive. Là. Donc, chaque soir au coucher, je massais le bras avec de l'huile. Mais est-ce qu'avant ça, toi-même, spirituellement, tu étais quelqu'un qui était dans la religion, qui priait souvent et beaucoup? Je n'étais pas trop ancrée. Dans la religion. Tu n'étais pas trop ancré dans la religion. Tu étais très ancré. Grand. Parce qu'effectivement, si tu es bien ancré dans la religion, souvent, il y a des gens qui tentent, mais ça t'atteint même pas. C'est-à-dire que même le cadeau, même quand tu prends la deuxième fois. Regardez, je vais vous donner un exemple. Ça fait la deuxième fois. Une première fois, non, pas cadeau, ça c'est différent. Ça, c'était un sort qu'on m'avait lancé, au fait. Voici les séquelles. Donc, ça fait que... Ici. Main gauche, là, souffre des... Mais pourquoi? Il y a quoi dans ta main gauche, là? Au fait, j'avais des boutons qui apparaissaient sur le corps. Tantôt, les trucs, comment on appelle ça? Les boutons apparaissent. Après, ça disparaît. Et dans la nuit, c'est comme si il y avait des bêtes qui marchaient dans mon corps. Donc, comme ça, je suis venue ici à 13 juillet, je suis venue en dermatologie. On m'a demandé de changer l'éponge. Ils m'ont donné plein de trucs. Ça n'allait pas. Je souffrais. Donc, je suis allée voir l'homme de Dieu. Il a dit non, que c'est un envoûtement. Parce que je me rappelle bien, il y avait mes claquettes avaient disparu dans le temps. Donc, quand je suis partie, il dit non, que c'est quelqu'un qui est proche de toi qui t'a fait ça. Wow. Il m'a donné l'huile d'olive. Je faisais le bain avec, mais apparemment, il n'y avait pas de résultat. Il n'y avait pas d'amélioration. Donc, c'est comme ça que je me suis rendue chez un guérisseur et c'est là-bas. Il m'a dit non, que c'est une femme
Toujours les femmes. Il a lancé le saut. Donc, il a enlevé des trucs dans mon corps. Hein? Des trucs visibles. Toi, tu as vu ça dans le téléphone. Mon téléphone en charge de l'autre côté. Il a enlevé des choses. Il a enlevé des choses, des pointes qui étaient attachées. C'est pas possible. En fait, avant, je croyais pas. Puisqu'on dit non, que souvent, on enlève. Quand tu lances des sorts, quand tu vas chez les guérisseurs, il y a des trucs qu'on enlève. C'est ça. En fait, je croyais pas. Donc, je me suis rendue à Beauville. C'est là que le monsieur a enlevé plein de... Il faut qu'on invite les guérisseurs là, ici. Mais oui. Franchement, j'aimerais bien recevoir des guérisseurs ici qui vont nous dire exactement. Parce que ça, ce que tu dis, ça me fait penser à une histoire de... ça dans le téléphone. D'un monsieur qui s'est marié et tout. Et ben, lui, c'était pas parce qu'il n'y avait pas de cadeau, mais c'est parce qu'il avait pris une autre femme. Et puis voilà, ben, comme d'habitude, hein, les femmes se plaignent toujours. Et... il avait des problèmes. La dame, c'est sa femme qui m'expliquait. Quand il allait se laver, on lui a mis de l'eau pour se laver. Et quand il s'est lavé, il y a un os qui est quitté. Ouais. Il est dans la douche, je vous assure. C'est sa femme qui m'a dit. Je dis, moi, je ne crois pas. Moi, tant que je ne vois pas, là, je ne peux pas croire. Mais si, dans la douche, là. Et soit, dans la douche, il n'y a rien. Quand il a fini, il a été se laver, là. L'os quitte et puis ça tombe. Cocolo, 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 sur les carreaux. C'est pas si l'on lavait. Un bon canari. Donc, c'est pour dire que, ouais, ce que tu dis là, je crois, en fait. C'est pas. C'est fort, hein. Oui. On enlève pointe dans ta main comme ça. Pointe beaucoup de beaucoup de pointes. Après l'émission, je vais vous montrer. Mais j'imagine c'était destiné à quoi? Ça allait prendre tout ton corps. Voilà. Pour voilà. Mais... Parce que le gars a dit non, que si je durais là, ma peau allait quitter. Mais tu es qui dans ce pays, longue. Ma chérie? Et puis on t'en veut autant. Est-ce que nous, on ne sait pas? C'est la fille de qui? C'est rien à voir. Je reviens à penser un truc, si vous permettez. Vous voyez souvent... Quand vous êtes prêt à voyager, à aller en Europe la première fois, vous avez galéré, puis finalement Dieu vous a fait cette grâce, vous pouvez partir en Europe. La première idée que vous vient en tête, j'ai donné tous mes habits avant de partir. Quand c'est arrivé là-bas, j'allais faire mes courses. J'ai en train d'enterrer ton Europe avant de partir. Ouais. Parce que tes habits que tu vas laisser, ceux que tu laisses, ne sont pas des animaux. Eux aussi veulent être à ta place. Et tu ne connais pas leur façon de penser. Parce que ce n'est pas tous ceux qui font la société qui sont mauvais, mais à ce qu'on appelle l'esprit humain. Oui. C'est-à-dire, pendant les qu'Aurélie Aurélie m'annonce une bonne nouvelle, moi, je rejette ça dans mon cœur. Mais si mon esprit est fort, ce qui est sur moi est fort, automatiquement, c'est comme une attaque que je lui envoie. Donc, ce n'est pas sur tout le monde on peut savoir. Même à l'église, les gens vomissent des choses. Hein. Il y en a qui vomissent la chair, il y en a qui vomissent des objets, parce qu'on fait ta délivrance. Et c'est des trucs qui existent, même, je pense. Waouh, waouh. Wow. Ouais. Beaucoup de choses se disent aujourd'hui. Hein. On marque une pause publicitaire et on se retrouve après. À tout de suite. Retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de cadeaux empoisonnés avec beaucoup, beaucoup de révélations. Beaucoup de choses se disent. Nous sommes avec Youssouf Diabagaté et Zeynab Touré. Touré. Alors, avant de passer au son tabou, Youssouf, il y a quelque chose que tu voulais ajouter sur les cadeaux empoisonnés? Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Quel était qui pour qu'il y ait toutes ces attaques? Les attaques, oui. Non, c'est pour vous dire que vous n'avez même pas besoin d'être le président de la République, mais le DG d'une institution pour avoir des ennemis. Non. C'est-à-dire, quelle que soit votre petite position dans laquelle vous êtes là. Il y a des gens quand même. Il y a des gens qui vous en veulent. Qui vous en veulent. Voilà, tu sors, tu as porté une belle cravate, le gars, il voit ça, déjà, lui, il est énervé. Pourquoi? Quand ton cœur est blanc. Voilà. Quand ton cœur est blanc, là, c'est ça, les gens n'aiment pas. Voilà, donc, il faut être beaucoup spirituel, méfiant. Il faut beaucoup prier. Et puis, quand ton cœur est blanc, toi-même, là. C'est ça, exactement. Quelle que soit l'attaque qui va venir de l'adversaire, là. Tu vas avoir une révélation. Ouais. Et nous, on dit certainement, le Dieu que je prie, voilà. Mais le sera-t-il dans la main de mes ennemis? Il vient par un chemin, ils s'enfuiront par plusieurs chemins. Amen, ma sœur! Amen! Alors, justement, on sera toujours un peu dans la même veine. Hein. On passe au son tabou. Son tabou. La question du son tabou aujourd'hui, faut-il partager sa joie avec tout le monde? Il faut partager. Franchement... En fait, quand tu vas partager la première fois, ça va déterminer avec qui tu vas partager les autres fois. Parce que quand tu annonces une bonne nouvelle, que toi, tu es heureuse et que la personne, comme Yacine a dit, qui reçoit la nouvelle, tu sens que la personne est triste ou bien la personne va pas célébrer, en fait, avec toi. Parce que normalement, si tu vas annoncer à ta copine que, par exemple, hein, tu te maries, ça, vous allez crier de joie, vous allez sauter et tout. Mais quand tu vas lui dire, ah, ma chérie, je me marie dans telle joie, elle va dire, ah, OK, félicitations. Tu sais que ça ne vient pas du cœur, en fait.
Donc ça va te faire, ça va faire que les gens prochaines leur annoncent fois, ça, tu vois leur visage changer. Voilà, se décompose. Comme si toi ton bonheur là, ça allait eux les empêcher d'être heureux à leur tour en fait. Donc quand c'est comme ça, la prochaine fois tu sais que cette personne là, tu la blacklist, tu sais que c'est pas quelqu'un qui veut réellement de ton bien. Elle est peut-être dans ton entourage, mais le fait que tu sois heureuse, ça lui pèse puis, quelque part en fait. Et puis tu sais, il y a des personnes à qui tu communiques. Mais elles ne savent même pas qu'elles-mêmes, elles ont un esprit négatif ou bien que quelque chose les poursuit c'est ça, derrière. C'est le mauvais œil, justement. Et ces personnes-là, tu vas, elles sont super joviales, elles sont super gentilles. Tu vas venir lui donner la bonne nouvelle. Elle sera super contente pour toi. Ce sera même que ce soit homme comme femme. Hein. Bien sûr. Mais le fait là, que tu aies donné l'information, là, l'esprit qui suit cette personne-là va t'empêcher, toi, d'avancer dans la vie. Ou alors, c'est pas, quand tu dis qu'elle ne sait pas, ou alors elle prend ça de façon joviale, mais après, quand elle rentre le soir et qu'elle pense à quelqu'un, c'est ça qui en tu as un esprit mauvais derrière aussi. Le soir, je t'ai dit. Donc celle-là va se marier. Donc celle-là, elle a eu promotion. Tu vois, donc celle-là, elle a eu promotion. On continue avec le son tabou. On termine. Dis-nous, est-ce qu'il faut partager sa joie avec tout le monde, ma chérie? Je pense que oui. Ah bon? Depuis tout ce que tu as eu là, tu penses que oui. Mais de toutes les façons, Kadi, pardon de la couper, mais si tu dois te marier, tu es obligé de dire aux gens que tu vas te marier. Tu vas vouloir informer. Avant d'informer, là, moi, c'est comme grossesse. C'est comme grossesse. Tu ne dis pas ça avant 3 mois. C'est-à-dire que tu prépares ton mariage en secret, tu organises tout. Maintenant, tu viens, tu dis aux gens, bon, voilà, je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur, mais tu as déjà calé ta date, tout est déjà calé, puis tu as déjà prié avant de dire aux gens. Et sinon... Youssouf, dis-nous. Bon, moi, je dis que ça dépend. Ça dépend de la nouvelle, ça dépend de beaucoup d'aspects. Il ne faut pas partager avec tout le monde. Et comme elle a dit, il faut attendre un certain délai d'abord. Bon, par exemple, je donne un exemple. Tu dois avoir une promotion. Mm-hmm. C'est sûr, tout est calé. Il reste seulement la signature. Il reste seulement la signature. C'est pas encore signé. Le patron va voyager. C'est pas encore signé. Et puis toi, tu dois faire une indiscrétion à quelqu'un pour dire que... Ah, le boss, là, il a décidé de faire ça. Non, c'est pas bon. Il faut attendre que tout soit... Tout est calé, bien, bien, bien. Là, tu peux maintenant annoncer la nouvelle. Annoncer aux gens. Très bien, dis-nous, Yasmine. Bon, moi, personnellement, je pense qu'on n'annonce rien. Je pense que la seule personne à qui on peut annoncer, c'est Dieu lui-même. C'est à Dieu que revient toute la gloire. Je me permets aujourd'hui de parler de Dieu parce que c'est des choses qui sont réelles. En voulant faire de l'amitié ou voulant annoncer des bonnes nouvelles, vous brisez quelque chose. Aujourd'hui, on peut dire, bon, tu as été choisi pour telle chose. Quelqu'un va s'élever là-bas et va enterrer quelque chose dans la boue pour que toi, tu sois effacé, pour ne pas que ça puisse marcher, pour te détruire. Mais est-ce que vous savez que quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu lui-même se charge de vous dévoiler vos ennemis. Mais ce que je veux dire en dehors de ça, c'est qu'on ne va pas s'arrêter devant l'ennemi pour dire, je sais que tu es mon ennemi. On dit, mieux vaut être proche de son ennemi qu'être loin de lui. Vos nouvelles, c'est des choses que vous devez garder pour vous. Parce que c'est une grâce que Dieu vous a faite pour vous-même. Maintenant, sauf s'il faut aller faire témoignage à l'église ou à la mosquée, c'est différent. Même dans vos familles, vous devez faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour le bonheur d'une personne. Tiens, bois l'eau. Non, non, c'est la vérité. Je suis d'accord, elles sont sans tabou. Tiens, sois un peu de l'eau. La vie qui est là, c'est une vie que Dieu nous donne. Non, parce que personnellement, moi, quand je reprends à ce sans tabou-là, moi, tout le monde me connaît, je n'annonce rien. Ouais. Moi, là, ma vie, là, c'est de surprise en surprise. Ils sont assis depuis, ils voient, ah, Kadi est arrivé ici. Ah, Kadi a fait ci. Ah. Je n'annonce rien. Même quand je voyage, même si Internet me dit, je suis quelque part dans le monde, il ne dit pas où je suis. Parce que les gens ne supportent pas le bonheur des autres. C'est ça. Ça dit, ils peuvent faire semblant. Il y en a qu'effectivement qui supportent, hein. Il y en a qui sont vraiment bien. Mais tu ne peux pas savoir. Ça, tu peux pas. Malheureusement, tu ne peux pas. Et il y a des gens qui, eux là, c'est eux qui doivent briller. Justement. Quand toi, tu commences à émerger un peu net là. Ça fait mal. Vraiment. Et tu ne sais pas pourquoi. Vraiment. Donc, on se découvre là-bas. Voilà. Ça dit que quand il s'est arrivé, il dit, ah, toi aussi tu es ici. Ah, papa, c'est fini. Il dit, voilà, c'est fini. Moi, il n'annonce rien. Quand tu as un projet, non, mais tu fais, c'est mieux. Tu as un projet que Dieu t'a mis à cœur. Parce que tu sais que le projet que tu as, c'est Dieu qui te le met à cœur. Bien sûr. C'est parce que c'est ta destinée et que tu vas réussir ce projet que tu y penses plus fortement que ceux qui sont autour de toi. Du fait que quand tu le dévoiles, on dit ah oui, hein, mais Kadi a une bonne idée. En vérité, l'idée n'est pas aux autres, mais c'est l'idée de Kadi. Parce que Dieu t'a donné l'idée. Et quand tu vas commencer à partager les gens-là, toi-même, parce que tu ne sais pas quel démon qui est derrière Yachou. Tu ne connais pas le démon qui est derrière. Elle est là qui t'a encore, tu ne connais pas pour elle. L'autre a dit. Il y a des ennemis qui sont des tueurs de destinée. Bien sûr. C'est-à-dire, ils sont là pour tuer ta destinée. Aujourd'hui, on est 4 femmes. Le rêve de
tous ceux qui nous regardent, en fait, de nos ennemis, c'est que, qu'il n'y ait pas la honte nous. Qu'on s'insulte, qu'on se tire les chignons et qu'on se divise comme sa femme d'ici n'existe plus. Mais seule la grâce de Dieu, c'est parce que c'était la destinée de Dieu qu'on se retrouve là, c'est que ça. Personne ne peut rentrer en... Et c'est pour ça qu'on dit, faites tes projets en silence. Exactement. La réussite se charge du bruit. Oui, c'est ça. Merci. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des trucs même sur lesquels moi je suis même... scénario même là, le film même, l'acteur même qui doit jouer dans mon film, il sait même pas c'est quoi ça. Qu'il sera dit d'abord. C'est après je dis bon ok, comme on a une semaine du temps, tu as déjà accepté le tourner, donc tu sais que tu as fait un rôle secondaire ou bien un rôle principal, ok très bien, on est à une semaine, bon voilà ton scénario, point. Mais affaire où tu es au courant depuis longtemps, juste oui. Non, non, non. Oui. Tu cherches sponsor même là, tu veux faire quelque chose, tellement que ta bouche est plaie, tu as mes bons petits, tu as fini, il a dit quoi, sponsor ne vient pas, tu es gris maintenant, tu es là, tu te fâches. Je suis les réseaux sociaux aujourd'hui là, c'est à dire que notre vie là, tout est, on déverse tout, c'est pas tout. Je suis les réseaux sociaux, c'est pas intéressant. Chez nous, on dit le serpent qui dure longtemps, là, c'est celui qui est caché. Voilà, exactement. Voilà. Et puis, plus tu viens à la télévision, plus tu montres que ça ne va pas entre ton mari et toi, plus tu montres que ton mari est mauvais, plus les gens sont contents d'être en train de tomber. Ouais. La vérité ne peut jamais connaître la vérité. C'est ça. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. On est impatients. Là, vraiment, c'était. C'est libéré. On fait une émission, on fait une émission à quatre où on va tout dire ici. Oh, alors, les filles, on passe aux chroniques libres. On a deux chroniques libres aujourd'hui. On a d'abord Anza Tawatara. Vous connaissez tous Anza Tawatara. Oui, le coup de la vie. Qui a exactement, elle, en ce moment-là, sa mousse. Sa mousse. Mais on est contente, hein. Faut pas t'inquiéter. Nous sommes très contents parce qu'elle a reçu plusieurs distinctions, enfin deux grosses distinctions en moins de 6 mois. Elle a reçu déjà le prix Scylla du Salon international du livre d'Abidjan. Elle a reçu aussi, c'était le 17 mai, et le prix d'excellence du président de la République le 31 mai. Ouais, quand même, il faut le faire. Le genre de femme qu'on aime, ça c'est une vraie femme d'ici, qualité. Le genre de femme, vraie femme d'ici. Elle est déjà venue, non? Elle est... Non, pas encore. Non, elle n'est pas encore venue, on va l'inviter. Et voilà, je pense que c'est vraiment à encourager. Ouais, c'est une grande sœur pour tout le monde. Elle se bat, surtout quand on sait que quand on est écrivain en Afrique, c'est un peu difficile. Donc voilà, elle est récompensée à sa juste valeur. On te fait beaucoup de bisous, on t'embrasse très fort. Et félicitations. Continue à avoir encore des lauriers, à glaner des lauriers. Deuxième chronique libre, malheureusement, c'est un pincement au cœur. On a le couple Piqué, Shakira et Gérard qui sont en train de se séparer. Non, en train, ils ne sont pas encore séparés. Ben, ils sont séparés après 12 ans de relation et deux enfants pour une infidélité parce que Gérard Piqué a été surpris par Shakira en train de la tromper. Et ce n'est pas la première fois, il a déjà trompé avec une première qui était hôtesse. Et la deuxième avec qui il a trompé, c'est la maman d'un joueur, c'est-à-dire un de ses coéquipiers joueurs. Avec qui il a trompé. Donc, cette fois-ci, elle a décidé qu'il parte. La maman même des joueurs. Donc, oui. Et donc, c'est pas drôle ce que je vais dire, mais il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire. En fait, ça m'a... Moi, il y a vu ça aussi. Il a dit... Il a tout jeu des reines de Shakira, là. On dirait ça. Et donc, là, il est parti de la maison et il vit dans un appartement. Donc, et apparemment, le gars, il regrette pas tellement d'être célibataire parce qu'il enchaîne les soirées dans les boîtes de nuit. Donc, il est très content. C'est son gourmet qu'elle a. Après, rappeler que Shakira est beaucoup plus riche que Gérard Piqué. Sa fortune est estimée à près de 300 millions de dollars, pendant que lui, il est à 40 millions de dollars. Shakira est plus riche que son mari, elle est plus âgée que son mari, elle est très belle, elle est star, mais malgré ça, elle est trompée. Vous pouvez parler. Non, ça, c'est un sans tabou de l'amour. Elle a refusé de se marier à lui trois fois, elle a refusé trois demandes en mariage. Ouais. Et je pense que, bon, voilà, il se dit finalement, peut-être qu'elle n'a pas envie de s'engager pour de vrai. Je n'excuse pas son comportement, mais je me dis quand même, après trois fois, elle a dit qu'elle n'a pas envie de se sentir emprisonnée dans un mariage, elle veut pouvoir être libre. Finalement, je trouve que ce n'est pas finalement plus mal. C'est pas plus mal. Parce qu'elle serait en train de chercher aussi à aller faire des papiers de divorce, n'est pas là, bon, justice pour la garde des enfants. Mais là aussi, il y aura forcément une histoire de garde partagée. Donc, c'est vrai. Non, mais garde partagée, c'est mieux que l'argent commence à se partager et tout. Le divorce, c'est comme Winfrey qui refuse de se marier, elle a raison. Ouais. Si tu es aussi riche, aller se marier, ça sert à rien, quoi, franchement. Ça allait finir comme un procès à la Johnny Depp. Ça sert pas à rien, mais en fait, le truc, c'est que... On avait dit ici, la juriste nous avait dit ici, il faut faire des contrats de mariage. C'est important. Mais après, tu sais, souvent, là, tous à la même, c'est trop.
Parce que quand moi j'ai écouté le truc de Shakira, elle dit elle ne veut juste pas être la femme pour lui. Donc quand tu es la femme, à un moment, c'est comme si le gars se sent comme s'il te devait beaucoup de choses. Elle veut être une petite amie, donc il doit la reconquérir à tout moment. Exactement. Il doit faire attention à son comportement. Et la raison. Moi, je suis d'accord. Quand tu es une femme, on te prend pour acquis dans ce truc-là. Ça, en fait, dans l'un des cas comme dans l'autre, ça ne sert à rien. Voilà. Parce que tu es resté petite amie, mais ça ne l'a pas empêché. Au lieu de te reconquérir, il allait te tromper. Alors, moi si ouais. je peux rebondir, vas-y. Si vous permettez, ce genre de mec, en fait, c'est des mecs peu ambitieux. C'est-à-dire, Dieu lui a fait grâce, c'est un footballeur, il a les sous. Mais en dehors de ça, on lui enlève son football, ça peut être très compliqué pour lui. Si je ne le connais pas un don, pareil, ne venez pas taper sur ma bouche. Mais je veux dire qu'une femme doit se sentir valorisée par son homme. Si tu es avec un homme qui passe son temps à courir des jupons dehors. Le premier jupon qui vient pense que c'est elle qui t'a fait trembler. La deuxième va venir, c'est elle qui t'a fait trembler. La quarantième, au bout d'un moment, Shakira, c'est un personnage public. Ça ouais, touche. C'est ça, en fait. Parce que le problème, c'est pas de la jalousie que Shakira est en train de faire. Ouais. Mais Shakira se sent humiliée. C'est elle ça, se dit, mais sûr. Attends, hey, tout ce que j'ai, je viens vers le gars, je l'aime, je me mets à son niveau et regarde ce comment le gars me récompense. Ça. Lui, ça lui donne non. Parce qu'il est Shakira, maman, mais déjà, va aller lui donner un peu. Donc, si elle se retire, elle va se chercher. Ouais. Parce que dans ça, là, tu vas gâter ton nom et les maladies. Son âge est tellement belle. Il y a tellement de maladies inutiles. Ça revient aussi à dire, bon, finalement, dans un couple, dans un foyer, est-ce que l'homme, à un moment donné de la vie d'une relation, ne va pas être amené à tromper? Ça, là, c'est ça, on dit. Ah non, mais tromper dans le respect. Cachette, ou bien tromper. Non, mais en fait, l'homme même qui peut pas se tromper dans le respect, là, quand tu es un personnage public, il y a toujours quelqu'un qui va te voir. Justement. Toujours quelqu'un qui va te voir. Ça va sortir. Moi, c'est Tristan ici. Lui, mes caméras l'a filmé. Ouais. Donc, il y a des ans. Tristan, le gars de Chloé, là. Non, mais en fait, c'est ça le problème. Quand tu avais... Moi, je pense que c'est difficile. C'est pour ça que ça fait partie des choses difficiles quand tu es en couple avec une personne publique. C'est que non seulement il faut la respecter. C'est ça. Si tu es avec une femme publique et que tu la trompes, elle, son image. Donc, elle, même si, sachant par exemple, que toi-même, tu es publique. Même si c'est une femme qui veut, qui peut accepter ton infidélité, mais le tout ce qui est autour va faire qu'elle peut pas. Justement, ça fait que tu peux plus. C'est difficile, tu vois. Plus, ouais. Et toi-même, tu es personne publique aussi. C'est ça. Donc, et puis on vient vous attraper, tchè. Il faut quoi franchement. D'abord, notre invité à Daï, il dit quand tu fais infidélité, la faute est de me pouvoir t'attraper. C'est quoi d'attraper ce problème? Alors, dis-nous, qui est un homme, qu'est-ce que tu penses? Après 12 ans de vie commune et tout, on trompe comme ça. Non, moi, je pense que... Il est lassé, en fait, peut-être. Non, moi, je pense que... Peut-être la routine, ouais. Vous voulez se séparer d'un homme. Voilà, les Africains. Pour une infidélité. Deux infidélités. Deux infidélités. Même 10 infidélités, je pense que... Moi, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Quoi? Très bien. Non, non, les filles, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Non, c'est mon point de vue. Il faut combien je pense que... Au bout de combien d'infidélités? Non, je dis même 10. Non, ce que je vais dire, si ton mari, là, il te respecte... OK. Il y a combien le... Non, il était... Alors rapidement, non, on a plus beaucoup de temps. Je ne fais pas l'apologie de l'infidélité. Pas de justifier, non, c'est pas vous expliquer. C'est ton avis, non, normal. Non, c'est pas l'apologie de l'infidélité que je fais. Je me dis pour un mariage, c'est sacré. Okay. C'est-à-dire que vous avez 12 ans de vie commune, vous avez deux enfants, vous allez vous séparer. Pour une infidélité, c'est pas normal. Pour moi, je pense que... D'accord. Donc, si Shakira, en tant que super belle femme, magnifique comme elle est, qui est draguée par plein d'hommes, si elle aussi elle trompe au bout de 10 infidélités, c'est pas grave qu'ils partent. Ah, là, ils vont dire qu'elle a junk. Non, non, écoutez, laissez-moi parler. Hein, Youssouf, il n'y a pas de problème à ce niveau. Non, moi, je suis un bon joueur. Donc, je pense que pour la femme, là, ça ne doit pas arriver. Faut sortir, ça. Et toi, tu penses quoi de Shakira et Piqué? Bon, moi, personnellement, je me dis peut-être, bon, comme ce sont des personnes peut-être célèbres et qu'il a été infidèle, normalement, peut-être, il pouvait se cacher. C'est ça qui fait mal. Ça. Voilà. Donc, peut-être Shakira, peut-être, elle a eu mal au fait. Son nom est raison pour laquelle journaux. Elle a préféré. Le, peut-être, ils sont mariés légalement, ils sont non? Pas mariés. Ils sont pas mariés légalement. Ils vivent ensemble depuis. Elle a préféré qu'ils soient séparés. Ouais. C'est mieux. Mais tout à l'heure, il a dit que le mariage est sacré. Donc, le mariage n'est pas suffisamment sacré maman, pour rester à la maison. Qu'est-ce que tu désires le plus pour que je puisse te l'offrir? Tu as dit quelque chose qui a touché mon cœur et je n'imaginais pas que ça pouvait sortir de toi. C'est quoi? Tu dis, quand une femme ou un homme est public, il faut faire attention à ne pas saler le nom mais de la personne. Mais tout peut sortir de moi pour parce que quand tu trompes cette personne, tu as tellement bien parlé. Oui, non, mais c'est vrai. Non, et vraiment, c'est I love you. J'aimerais une voiture, s'il te plaît. J'aimerais une voiture. Déjà, je vais t'offrir ça, Inch'Allah. Hé, elle a dit,
dit. Et quand j'ai dit grâce au Seigneur, Dieu va me donner les moyens de lui donner. D'accord. Je serai témoin. Donc j'attends ma voix. Elle est personnage public. Et tu la seras trompe. Un cadeau offert elle par s'en fout de la, la grâce du Seigneur. Elle s'en fout de la jalousie parce qu'elle touche des millions, Gaoul. Mais ce qui lui fait mal, c'est que tes petites pimbèches vont régler ses problèmes. Donc on t'a laissé derrière. Et puis on est devant. On termine l'émission sur ça. Le règlement de et justement, je vais vous dire aussi, c'est vrai, quand vous êtes avec des personnes publiques, essayez de respecter parce que au-delà de l'acte, il y a beaucoup de choses en fait qui font mal. Merci beaucoup de nous avoir suivis et faites très attention aux cadeaux, faites très attention, priez, soyez vous-même fort spirituellement. On est là, nous sommes des êtres spirituels. Développez votre potentiel spirituel, c'est très important. D'accord? Comme ça, vous pouvez contrecarrer tout ce qui vient vers vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye.